La Tétone, c'est le plus bel inégalité. Aujourd'hui, il y a le plus grand rassemblement de France à vie. Allez, Pierre, allez, Tété, il va tomber là. La moto, elle commence à prendre feu. J'ai joué. Wesh les frères, il est actuellement 9h et aujourd'hui il y a le plus grand rassemblement de France à Avignon. Vous nous connaissez, on était obligés d'y aller. Plein de gens que vous avez déjà dû voir de partout sur TikTok, Instagram. Et franchement, je sens qu'on va se régaler. Regardez juste l'endroit où on est. Là on est dans un petit Airbnb, on vient de se réveiller. Et là on va descendre, vous allez voir. Regardez le couloir, descends. 50 000 cartes, un mec qui dort sur le canapé. Ouais, je suis rossi, tu crois. On a tête 4 grosses dans un putain d'appartement. Si elle les fait rentrer par là, et là comme ça elles dorment à la maison quoi. Franchement elles sont au chaud, elles sont tranquilles. Comme on peut le voir, c'est des motos qui ont fait que du terrain de cross hein. On peut le voir aux petites bavettes et aux petits pneus. Bien sûr les frères, il y a que du 125 RLZ, que du Yamaha, sinon ça roule pas ici hein. Bon en tout cas là on va attendre que les autres se réveillent, parce que franchement avant qu'ils se réveillent, ah on a le temps les gars. Hier je vous dis pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé trop de choses. Allez nous suivre sur Insta les gars, c'est pour ça, suivez nous, il y a trop de dingueries là-bas. Bref c'est parti, go taille à la digue. Bon les frères, là c'est Lilian, on est dans le camion direction la digue. Regardez les gars, toutes les crosses elles ont bien été chargées. Normalement les gars on arrive dans 5 minutes donc c'est carré. Vas-y les gars, on se retrouve dès qu'on arrive. C'est parti les frères, la jig, on arrive. Allez frères, on va arriver à la jig en 10 secondes là. Écoutez ça, baisse le son. C'est un monstre. Les frères, c'est un monstre. Golf UTR, je crois que je vais même pas aller faire de la moto les gars. Qu'on est bien arrivé, il y a quelques petits camions, pour l'instant il n'y a pas trop de monde. Regardez les gars, ils sont tous au fond. Les gars, normalement ça risque d'être carré, faut juste attendre qu'il y ait tout le monde parce que là, vas-y, on est trois frère. Je crois qu'on est arrivé hein. Regardez-toi. Frère, ça y est, on est arrivé, il y a quelques petites motos, regardez les gars là-bas. Il y a que des 4 à 5 pour l'instant. Nous on va décharger là toutes ces bêtes. Ça risque d'être carré. Attends, sa mère. Les gars, comme ça. Les frères, ça y est, on est arrivé à la digue d'Avignon. Là, il y a encore quelques crosses, il y en a encore plein qui vont arriver. Voilà, c'est bien équipé, les gars. On a mis protection là, parce que vous nous connaissez, les gars. Nous, c'est que du soleil à chaque fois. Aujourd'hui, l'objectif, c'est pas soleil, les gars, c'est parti. Moi, ça va être que du un pied au sol là. Le petit vif. Bon les frères, il y a un peu de bon, mais là on est monté sur le 2023. On va essayer de vous filmer un peu les gars. Vas-y, c'est parti à la collecte les gars. Oh les frères, je sais pas ce que j'ai. Vu qu'il y a tout le monde qui tord, je sais pas, je suis en stress. Alors, à peine je lève la route, ça les gars, je stresse. Bon, alors normalement, t'as vu, je capte pas comme un malade du tout. Mais tu vois, j'arrive à cabrer, à faire des petites lignes. Là les gars, j'arrive pas, je sais pas pourquoi, j'ai peur, j'ai un petit truc. Vas-y, je vais m'entraîner les gars, un pied au sol. Comme ça les gars, ça va bien me chauffer là. C'est toi.
les gars, lui aussi, il fait entraînement pied au sol, il a pas encore le frein, c'est pour ça, les gars. Ah, ça m'a dit, ouais, il y a tous les niveaux, et tout, il y a déjà pas le frein. Ah, les gars, il y a que des mecs qui font des symphonies, moi je suis là, un pied au sol. Ouais, j'ai juré, c'est une dinguerie. Peut-être dommage, je t'ai pas levé. Parce qu'en fait, ça va, je suis un peu confiant, mais ça se voit que j'ai pas trop le frein. Ah, ça me fait stresser. Regardez-moi, les gars, ce blanc. Ouais, non, c'est une dinguerie, frère. Ça donne envie d'avoir un frein. Regardez les gars, ce qui arrive droit sur nous. Je viens de faire frotter notre 2023 et vas-y, ça y est. Mais moi je suis un pote, j'arrive même pas à faire frotter mon cul, ça y est. Je veux pas les choquer, on leur montrera. On a toute la journée pour les choquer, attendez, attendez un peu. Mais les gars, moi je fais pareil, frère. Regarde, même moi je fais sans les mains. Bon, on vient de se poser et regardez qui on a rejoint. Les frères, le frérot en Jix. Et là, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement continuer de s'entraîner un peu. Lilia, il fait pied par terre. Moi, on m'a entraîné, les gars. Oh, on m'a dit 3, t'arrives, appelle, tu joues avec ton frein. On va faire ça toute la matinée. Oh, ça casse les couilles, par contre, les gars. Il y a grave du banc, même si on est caché un peu. En tout cas, il commence à avoir du monde qui nous rejoint. Là, il va peut-être avoir plein d'autres gens que vous connaissez que Joe. Et franchement, la journée, elle est pas trop compliquée, les frères. Regardez, il y a même un gros tube qui est arrivé. Il y a des super modes. Oh les frères, regardez lui là, une moto, c'est une 97, vous imaginez? Et regardez comment il attend, je vous montre ça, vous allez être choqués. Regardez-moi ça, deux coups. La tête d'homme, c'est le plus fou de la ligne, les gars, lui. Ah, il y a même des zips. La Ligue 1 est en train en 3. Oh, il est actuellement midi et là ça devient le coup. On a rejoint le frérot Jimmy, les gars. Celui avec qui vous avez vu la vidéo 24 heures tout encadré. Là il y a Ozix, il y a tout le monde, les gars. C'est le bordel. Il y a de toute sa journée, les gars. Regardez comment ça sort dans le monde. Voilà. Ouais. Pour 2024, 50e anniversaire, les gars. Ouais, les gars, ça sort des gros tubes. Ah, carrément, les gars, c'est une dinguerie. Tout, c'est une dinguerie. Bon, les frères, là, c'est parti. Là, tu l'as mis la GoPro sur la tête. Ça va barotte, les gars. Que des 125 et tout. Ça va être que de sa mère. Là, ils sont en feu, là. Bon, les frères, là, on est sur la GoPro. C'est parti, on va aller voir tout le monde. Je vais vous montrer un peu comment je lève. Par régime. Là, il y a le poteau, les gars. Oh, vous êtes chauds ou pas, toutes les mécanes? Regardez les frères. Là, il y a plein, tu vois. Oh, les gars, sur ma mère, c'est une dinguerie le genre, nombre de gens qui ont. Que en pique. Moi, j'ai peur de lever et de me tuer. Je sens que je vais me tuer en plus. Putain, il y a du vent et tout, les gars. Je suis pas confiant. Oh, vous avez vu le nombre de gens ou pas? Quand on vous dit que c'est le plus gros rassemblement de France, et il est que 13h. Hein. Attendez, fin de journée. En plus de ça, il y a du vent. Le temps, putain, il est pas top. Il y a pas grand soleil sans vent. Mais bon, fait comme on peut, les gars. Au moins, il pleut pas. Ah, les gens, ils sont chocs. Ils sont tous sans casque. Moi, je suis là avec gros casque de crosse verte. Voilà. Voilà, tout en pic. Oui. Dommage. Oh, regardez la ligne, elle part de tout là-bas jusqu'ici. Putain. Les gars, je sais pas pourquoi tout à l'heure je me chauffais, j'étais chaud et tout, mais là j'ai peur sa mère. Là les frères, c'est ceux avec qui on est allé, ils vont vous montrer un peu. Ça représente Grenoble là. Là on représente Grenoble. Voilà. Le monster en pique. Je vais faire ma tête sur la ligne. Arrêtez les collègues, les gars. Les gars, regardez lui, le plus fou, les gars. Regardez comment il est fou. Vous voyez, les gars.
les zéros, c'est tout les gars, non, c'est une dinguerie. Bouchez vos oreilles les frères, parce que là ça risque de bombarder. Là. Regardez les gars, ils se parlent. Oh les frères, il y a tout ça et il y a moi qui a pas le frein, j'ai trop la mort. Là j'aurai le frein, je me régalerai. Mais non les gars, je suis encore en train de faire un pied par terre, j'ai trop la mort. Faut travailler pour apprendre, hein. Même si c'est pas ça la phrase, t'as capté. Oh ça me double de tous les côtés la tête d'homme. Les frères, c'est exceptionnel. Regardez le moi. Oh il a fait du soft frein comme s'il était avec le frein frère. Mais ouais, c'est quoi ce niveau? Jamais j'y arriverai. Regardez l'actu derrière moi. MT07. Là-bas il y a une 50, 2,5, 4,5, 125. Là ouais il y a un 65 je crois, ou je sais pas c'est quoi. Même ça ça le tord. Là c'est parti, on va suivre Jimmy. Jimmy 185 Simpson, vous le connaissez. Ah ouais, ouais c'est trop. Oh là vas-y sa moto. Faut pas les couilles. Voilà, je lève comme un baiser sans frein, putain. C'est pas beau ça. Ah mais vous voyez le nombre de gens qu'il y a devant et le nombre derrière. Regardez le groupe derrière moi. Et de Hayne. Oui là, 2024, en pic. On a attrapé un au pif qui tord, je vais lui mettre le casque vert les gars. Il va nous faire des clous au bégon pro là. En vrai de vrai je crois qu'on va faire ça hein. Ah c'est bizarre les casques cross. Nique sa mère, on va niquer ça. L'essence les gars. Toujours les gars. Donc voilà les gars. Sur le 125 YZ de 97. Allez les gars, pas besoin de voter 2023. Oh casque gros sur PP, ça fait bizarre hein. Elle a la santé ce bécane hein. Oh le vent sa mère, il est puissant. On va faire une petite mise en scène. Tu m'as pas reconnu l'enculé. Tu m'as pas reconnu hein. Voilà. J'ai rien contre lui. Les gars, il y en a qui ont besoin de shit, d'alcool, de boîte. Voilà, je les ai dit, une bécane. Ça tartine, hein. Voilà, il y a toute l'équipe. Il y a du gros cul, il y a du gros, du jota, du kata, il y a de tout. Ah, c'est crapuleux aujourd'hui, ça fait du bien. Voilà, c'est bon ça. Voilà, c'est quoi ça? Oula, tu galères mon copain. Ah c'est carré hein. Allez frère, voici le propriétaire du casque. Oh la venez merde, c'est trop. Tu sors comme ça, comment tu fais? Ah c'est horrible le casque de moi. Ah j'ai fait que de la savon. Vas-y bien bien tiens. Ah normal hein. Là il a actuellement 14h. Désolé si on n'arrive pas à trop parler et tout, mais comme vous voyez, il y a que des motos, que du vent. Mais en tout cas ça se la régale. Ah les gars, là mon crâne il est en train de tourner à la fin de la journée. Je pense que t'as une migraine frère. Ça tourne dans tous les sens, on est en train de bien s'améliorer. Mais bon voilà, c'est chaud un peu les gars là. On va essayer de tourner un peu le casque à tout le monde, tous les plus gros stores et tout. Comme ça vous avez des plantes partout. Mais en tout cas ça se la régale. C'est parti, là, qui fait la caméra. Andix, vous allez voir sa POV, on va rouler, ça va se régaler. Eh oui, la team Andix Backlife, là. Ça
Salut les copains. Le petit mélange qui va bien. Ah oui, mon frère. Ça va ou quoi? Tranquille? Ouais. Je t'ai vu passer, je te faisais ça, tu me voyais pas. Eh ouais, tu as pas vu. Mais non, je suis là, t'inquiète. La meilleure communauté. Ah ouais, tu viens ici, tu es avec ta moto, tu te régales, tu vois les autres, tu te régales, tu passes une belle. Eh ouais, même les gens ils parlent avec toi, tout le monde est gentil. Ouais, tout le monde est gentil. Même si tu n'arrives pas, ils te conseillent. Ouais, il y a quelqu'un, il a perdu son téléphone, l'autre il a ramassé le téléphone, il a cherché de partout pour savoir qui. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai le téléphone là, il faut que je trouve le mec. Faut que je trouve qui c'est qui l'a perdu. Je vais trouver. Eh ouais, je suis en train de chercher. Même en live, je disais, voilà, tiens moi. Oh, je suis là, j'ai des messages. Allez, ma mère, voilà. Allez, frérot, ciao. C'était lui le téléphone qui avait perdu, eh ouais. Petite mélodie. Ah, il me sert trop le casque, il me compresse, je vais lui rendre. Non, il me sert là les pommettes et tout. Ah, Eliott, je vais mettre mon casque, celui-là il me sert trop. Ah, j'ai la tête là, elle me presse. Oh les frères, il est actuellement 15h, je sais pas ce qui s'est passé. Là maintenant il y a trop de monde, vous allez voir les gars sur la ligne, il n'y a plus d'espace. Regardez les gars, c'est pas grave ce matin. Vous allez voir, c'est n'importe quoi, il y a des gens. C'est une dingue les gars, c'est ça arrive de se lever. Oh, c'est un autre monde là du Petit-Avignon les gars. Le niveau les gars il est à part. Oh, j'arrive même pas à filmer les frères, ça va dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Oh les frères, là ça va rassembler les crocs, regardez les cantiques. Ça va faire que des ruptures, regardez les gars. Voilà, c'est comme ça va tout retourner.
Les gars, la tête, c'est qui le chef de la famille, les gars? On va peut-être voir, il me dit, tiens, bon, les gars, on va tous les rassembler, on va faire le Zaroa. Là, les gars, la délégation. Commentaire les gars, où est-ce que vous avez déjà vu autant de français? Non, c'est vraiment une dinguerie. Oh, ce matin c'était timide les gars, mais cet après-midi c'était le feu. On va suivre un peu les vrais pilotes. Nous on est encore des culottes, c'est des pilotes frère, allez. Vous inquiétez pas, bientôt ce sera nous. Bientôt ce sera moi, Fixol de K23. Vas-y, allez, choque nous. Ah oui! Mais oui, c'est ça qu'on veut! Avant, il n'y avait pas beaucoup de monde là, frère, c'est plein des. Eh oui! J'ai 85. On va se partir là. Maintenant, c'est à mon tour. À moi de leur montrer un peu. À moi de leur montrer la jeunesse grenobloise. Je vous ai déjà me chauffer ou pas? Je vous ai dit! Oui bébé! Oui bébé chéri coco! C'est ça qu'il me fallait! Oh Zami, je te vote! On va montrer aux collègues comment on lève un peu les bécanes. Moi je me porte là une fois que je commence à soleil. On commence, petit à petit. Faut pas trop se chauffer les gars, là je pourrais faire des lignes de baiser. Mais je cabrerai comme un boucher, je vais me tuer le jour où je vais tomber. Putain, je suis content comparé à ce matin les gars, c'est beaucoup mieux. Là devant les gens, comme on vit pour les caméras, faut tenter. Oui. Sans trouver d'excuses, c'est la première fois qu'on capte sur une ligne droite. Normalement, chez nous, vous avez vu, c'est l'espèce de montée, les gars, pour accéder à un village. Du coup, c'est en montée. Et sur le plat, ça n'a rien à voir à l'équilibre. Un petit 125 cachets. Ah, je vous ai dit, les gars, ici, tout le monde est de bonne humeur, il n'y a pas de gris. Oui, il m'a frôlé, il a failli me tuer, mais oui. La tête d'homme les gars, faut être sur une bécane pour comprendre ce que c'est que de mettre ce petit coup de frein. Même si là j'étais pas très très haut, pour moi c'est une sensation inoubliable. Il y a plein de tiktokers que vous devez reconnaître là, les frères pommes. Ah c'est le plus fou de la dune, la tête d'homme. Allez, à mon tour de jouer. Regardez-moi ce T-Max ténébreux. Oui, c'est ça qu'on veut. Vas-y, lève. Oui, c'est de la magie, c'est de l'art. Ah, je vous jure, les frères, ceux qui viennent, ils sont trop forts, c'est abusé. Ah, j'en ai pas bien, qui s'est pas levé comme moi. Et le retour de Lilian, les gars, il est venu avec la graille parce qu'on a pas mangé depuis hier soir. Ils ont ramené le McDo, ça régale. Bon, les frères, on avait trop faim, on était obligés, les gars. On a commandé McDo, regardez tout ce qu'on a pris. La tête d'homme, ça nous a fait 100 euros de McDo, les gars. J'ai jamais payé aussi cher, mais là, on va bien se casser le bide. Ah, les gars, coulisses des photos Insta, regardez, ils sont tous derrière, les gars, en train de prendre en photo. Regardez, les gars, ce qu'on a fait. Ah, les gars, c'est vraiment beau, la tête d'homme, c'est magnifique. C'est une dinguerie, frère. Allez, frère, arrêtez, il est tombé là. La moto là commence à prendre feu. J'ai juré. Regarde, on a besoin de Milan. Oh, t'es un pilote, c'est le pilote. Oh, les gars, ils vont nous montrer comment ils sortent ça. Oh, ça, c'est une bavette de pilote. J'avoue, j'avoue. Imagine, tu prends une gadget comme ça. Ouais, t'inquiète, c'est la même. Alors là, les gars, vous allez voir. Soit t'es un pilote, soit t'es une grosse culotte pleine de merde. C'est bon ou pas? C'est ça, on a dit. Hop, t'es là, t'arrives. Hop, tu lâches les mains, tu les reprends. Hop. Là t'arrives, genou.
comme ça. Ça c'est ma bébé ça. Voilà. Oh voilà petit dérapage. Voilà le frérot hein. Ça fait peur lui. Voilà les gars, beaucoup de vent là. Mais bon, saute un pilote, c'est culotte. Voilà, que des équilibres comme ça, comme au state. Comme au state. Comme au state. Comme au state. Comme au state, j'ai dit. Ouais, coucou hein. Voilà, j'ai les avant-bras du rock. Ah là 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 là. C'est un truc de fou. Comme ça, tu te mets debout. Voilà. Voilà les gars, je suis fatigué. J'ai le cardio à Snoop Dogg. Le cardio à Naps. Voilà, je suis en manque de fer. Il faut que je mange de la Hades. Oui. Ah là là. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime? Là t'arrives. Comme ça. Ah là là. Ah, j'allais canner. À chaque fois que je te vois, voilà, subhanallah, je suis maudit, voilà. J'allais me tuer, les gars. Ça y est, les gars, j'ai plus de force, voilà. Les gars, j'ai le même corps depuis que j'ai 12 ans. Ah, je vous ai fait des trucs de fou. Addicts by Clive, eh. Voilà, les gars, j'ai la force de U10. J'ai plus de force. Hein? Ah merde. Tiens le monteur. Allez les gars. Wouh. Get le poignet. Ah là 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 là. Mais qu'est-ce que je kiffe. Qu'est-ce que je kiffe. T'es un bon. Ah lui il tord les gars. Hey. Hey. Ah là là, je suis fatigué, voilà, je suis fatigué. Là, comme ça, tout doucement. Fils de pute. Ah, comme ça, là. Je suis trop fort, je suis trop bon les gars, j'ai ça dans l'ADN. Là t'arrives comme ça, tranquille, petit départ à une main, petit départ à une main. J'allais mourir. Les gars, je vais poser la moto, sinon je vais canner, voilà. Ça y est, on arrête, on arrête. Ah, ah, j'ai plus de force. Ouais, c'est YouTube hein. Voilà. Eh, hey, vas-y hein. Ah, vas-y hein. Ah là là le vent. Ah oui. Ah oui. Là il en faut un beau là. Il était beau lui. Est-ce
carré. Bon les frères, c'est parti. La dernière roubine. Ensuite ça va style les gars. Il y a presque plus trop de monde les gars. Tout le monde pense à ça, il est à peu près 18h. Je dois filmer Elliot là. Elliot, tu vas dire de filmer. À ce qui paraît, il s'est chauffé les gars. Allez les gars. Ah, il est devenu chaud Elliot hein. Moi j'ai trop la mort les gars, il y a 3 jours j'ai soleil en 85 et après je suis plus remonté sur une crosse, pire erreur. Et du coup les gars là, j'avais grave peur aujourd'hui. C'est pas grave les gars, je me suis régalé de la vue, même si moi j'ai pas pu profiter. Oh, faut qu'il nous régale là Elliot hein. En plus c'est à côté, juste à côté de l'anniversaire les gars. Voilà. Voilà. Oh les gars, dernière. Fin de journée, Radio, on a chargé les motos dans le camion. Et les gars, c'est la fin. Regardez, il reste plus trop grand monde. Regardez ça, il reste des personnes. Vas-y les gars, tu vois que c'est la fin. En tout cas, les gars, je suis nostalgique. Je me rappelle ce matin, on est déchargé. Et là, les gars, on les recharge. Là, c'est la fin. En tout cas, les frères, c'était vraiment une journée de fou. Oh, je suis déjà nostalgique. Alors, les gars, c'était il y a 20 minutes là. C'est la petite fin de journée. Là ça rentre, on est sur la route, on va se taper 2 heures de route. Franchement merci à tous ceux qui étaient là, c'était de la frappe. Tous ceux qui sont venus, qui nous ont reconnus et tout, Angie, X, Milan, tout le monde qui était là, franchement c'était la régalade. On espère se refaire ça très bientôt. Et puis voilà, si vous avez kiffé, mettez un maximum de likes vous aussi. Abonnez-vous, activez la cloche. Et c'est sûr qu'on va organiser des trucs comme ça. Il est 21h45, on vient d'arriver chez nous. Et la fin de cette journée est clôturée mon pote. Ah les gars, j'en peux plus frérot. On a roulé toute la journée, j'ai encore le bruit des symphonies dans ma tête. Elles veulent pas sortir les gars. Oh, je vous jure, pendant tout le trajet en voiture, j'entends, mais vraiment j'ai le bruit de la moto. Oh, il veut pas partir. Oh les gars, en tout cas c'était vraiment une journée de dingue. Je sais pas les gars comment dire, genre c'était pas comme la première fois qu'on a fait du cross bitume. Là je sentais vraiment les gars, il y avait une émotion genre les gars. Ouais, il y avait la passion qui sentait, genre c'était une dinguerie. N'importe quel genre, que tu sois en n'importe quelle moto, tu regardais, petit sourire, tu disais bonjour à tout le monde. Et les gens ils étaient trop sympas. Oh, c'est vraiment, c'était une famille là-bas. Faut être là-bas pour comprendre. Ouais. J'espère qu'on a pu vous partager ce moment-là et que vous avez pu le voir à travers la vidéo. Parce que les gars, oh, dans la vraie vie, c'était vraiment genre. Oh les gars, vous allez nous prendre pour des fous, mais il y avait un truc inexplicable. En tout cas, mettez un max de likes, s'il vous plaît, qu'on revienne à Avignon, qu'on re-arrache tout, qu'on fasse plein de vidéos là-bas. Et c'est abonnez-vous. Avec le frein, les gars, vous inquiétez pas. En prochaine vidéo, je sais qu'on vous dit ça à chaque fois, mais on aura le frein et on lèvera bien. On la mettra en pic. En tout cas, les frères, abonnez-vous. On se détruit bientôt. Ciao, ciao, les gars. Peace.